Au dernier top, il était 17h, l'heure de retrouver Sabine Lahsen pour le journal régional. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hajar, bonsoir à tous. Deuxième et dernier jour de la visite d'inspection du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP en 6e région militaire. Saïd Chengriha a supervisé l'exécution de l'exercice tactique à munitions réelles Zaoubaat al-Hogar 2024. À J-2 du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, Alger, la capitale de l'énergie, prête à abriter cet événement international. Toutes les conditions sont réunies pour accueillir les invités de l'Algérie. Pluie, vent et neige au menu de la météo de cette fin de semaine. La protection civile met en place un dispositif de prévention. Des intempéries qui font la joie des agriculteurs et ont un impact positif sur le niveau de remplissage des barrages. Illustration à Indefla ce soir. Comme chaque année à l'occasion de Ramadan, les associations et les directions de l'action sociale sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux plus démunis. Exemple à Saïda dans ce journal. Gestion électronique de l'état civil, du projet à la réalité, à Tizi Ouzou, les mairies se rapprochent des villageois. Puis en fin d'édition, hommage au défunt écrivain et journaliste Belkacem Rouach, décédé à 73 ans. Bienvenue à tous au deuxième jour de sa visite de travail d'inspection en 6e région militaire Taman al-Assad. Le général d'armée et chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Chengriha a supervisé l'exécution d'un exercice tactique à munitions réelles intitulé Zaoubaat al-Hogar 2024. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, l'exercice a été mené par des unités du secteur opérationnel de Burj Baji Mukhtar, appuyées par des unités de diverses armes. Un rendez-vous de taille, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz. L'Algérie, pays hôte, figure parmi les 10 pays producteurs exportateurs de cette ressource, avec la production d'environ 100 milliards de mètres cubes par an. Pour exporter la moitié vers d'autres pays via gazoduc ou sous forme de GNL, le mérite revient à son entreprise des hydrocarbures Sonatrach, le secteur qui est en constante évolution. Reportage Sophia Boukercha. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, est l'un des acteurs clés sur le marché du gaz naturel, avec d'importantes réserves prouvées, estimées à 2400 milliards de mètres cubes. Elle possède également le quatrième plus grand champ gazier au monde, celui de Hassermel, qui fait d'elle l'un des principaux pays producteurs et exportateurs de gaz naturel. Sa production est d'environ 100 milliards de mètres cubes par an. Les réserves prouvées algériennes de gaz naturel sont d'environ 2300 milliards. Saïd Baroul, expert international en énergie. Et la production commercialisée est donc entre 96 et 100 milliards de mètres cubes par an. La principale société activant dans le secteur gazier est Sonatrach, responsable de la gestion des ressources et de la commercialisation du gaz. L'Algérie renforce les partenariats avec les entreprises internationales. Sonatrach signe des accords avec les géants des hydrocarbures et continue d'investir pour augmenter sa production dans les années à venir. Verded Mendouche, expert international en énergie. Pour 2040, il est prévu de produire entre 140 et 142 milliards de mètres cubes. En 2025, près de 150 milliards de mètres cubes. Et ceci à travers les gisements qui ont déjà été mis en service aux alentours de Hassermer, Ohanet, à In Aminas, aux alentours de Hassim Saoud. Le gaz joue un rôle vital dans l'économie et l'avenir énergétique de l'Algérie. Le secteur pétrolier et gazier représente 19% du PIB, l'Algérie poursuit ses efforts pour devenir un acteur majeur sur la scène mondiale du gaz. Le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz se tiendra du 28 février au 2 mars au Centre international des conférences d'Alger. C'est le CIC qui abritera l'événement. Le directeur général de la radio algérienne était sur les lieux ce matin. Il est question d'assurer la couverture de ce sommet à travers l'ensemble des chaînes de la radio, à travers également le nouveau studio numérique mis en place pour une exposition plus rapide de l'information. Depuis le CIC, les détails de Sami Alloun. La radio nationale, à travers l'ensemble de ses chaînes, se prépare à la couverture de cet événement international. Le directeur général de la radio algérienne a procédé à une visite pour inspecter les derniers préparatifs avant le jour J, à travers les différents studios, salles de rédaction et autres espaces aménagés et connectés, pour permettre une couverture optimale du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Mohamed Barrali, directeur général de la radio nationale. Au départ, j'aimerais bien remercier tous nos collègues de la DSTE, de la direction du service
services techniques qui ont fait un travail extraordinaire pour nous offrir ces espaces de travail qui sont extraordinaires. Toutes les chaînes concernées par la couverture de cet événement mondial, qui sont la chaîne 1, la 2, la 3, Ifriqiya FM, la RAI et RadioNet, toutes ces chaînes ont leur espace de travail bien équipé avec des redondances pour assurer la continuité de la transmission. Donc c'est un travail extraordinaire. La visite qu'on a tenue à ces espaces me donne un très beau sentiment de satisfaction. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos amis du CIP qui ont fait un très beau travail et puis aussi nos amis du CSI qui nous ont offert tout ce qu'on voulait comme espace. La nouveauté cette année, c'est un studio numérique pour permettre une exposition plus importante à travers toutes les plateformes connectées, des émissions, des reportages et un suivi en direct des évolutions au sein des conférences et rencontres pour rester au diapason de la formation et assurer une couverture optimale de ce rendez-vous d'envergure. Toujours dans le cadre des intenses préparatifs du sommet, hier le ministre de la Communication était au Centre international de la presse pour s'enquérir des derniers préparatifs et moyens mobilisés pour ce grand événement. Il était accompagné du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamal Sidi Saïd. Il s'est félicité des efforts de la famille médiatique mobilisée depuis plusieurs semaines pour qu'en somme tout soit mis en œuvre pour la réussite de ce rendez-vous. On écoute Kamal Sidi Saïd. D'abord, je tiens à remercier la famille médiatique algérienne, toujours à la hauteur, car elle travaille depuis près de 2 mois sur ce sommet attendu par le monde entier. Elle a également été à la hauteur dans sa couverture des conférences et les nombreux comptes rendus dans les médias publics et privés. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont veillé à l'organisation au sein du Centre international de presse. Inch'Allah, ce sommet sera exceptionnel et la presse nationale y jouera son rôle comme elle l'a toujours fait. La presse étrangère également, puisque de nombreuses délégations seront présentes. Voilà, donc on le rappelle, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz aura lieu à Alger du 29 au 2 mars 2024. La pluie et le vent font aussi l'actualité de ce 27 février. Météo Algérie lance une alerte en vigueur jusqu'à jeudi matin. Des pluies accompagnées localement de chutes de neige affecteront une bonne partie du nord du pays avec des cumuls pouvant atteindre les 90 mm sur les régions côtières. Des chutes de neige sont également attendues sur les hauteurs, selon Météo Algérie, un dispositif préventif est à ce propos mis en place par la protection civile. On écoute le capitaine, le lieutenant Zoher Benhamzal de la protection civile. La protection civile est dans un travail d'anticipation. Donc, il y a eu, après l'analyse des différents bulletins, il y a eu l'envoi des instructions par la direction générale aux différentes directions de wilaya pour mettre en place différents dispositifs préventifs et opérationnels pour venir au bout des différents appels de détresse, mais notamment élaborer un travail préventif avec différents conseils et consignes au profit des citoyens pour être à l'abri des différents accidents, notamment les utilisateurs de la route, les citoyens au niveau des domiciles, et suite aussi cumul, stagnation des eaux, remontée des eaux et aussi le dispositif opérationnel, notamment les unités mobiles, notamment à proximité des points noirs pour réduire le temps d'intervention en cas de débordement d'eau, infiltration des eaux ou stagnation des eaux. D'un autre côté, ces précipitations ont permis aux barrages d'enregistrer une hausse de leur taux de remplissage, un bon point qui donne une lueur d'espoir aux agriculteurs. Ceux de Indefla sont ravis. Alima Rahmani. Du froid, de la neige sur les hauteurs et beaucoup de pluie. Des pluies très bénéfiques pour l'agriculture et qui fait la joie des fellahs. Et oui, des pluies qui s'abattent sur la région après les 30 jours de janvier où il n'a pas plu du tout. Ces derniers jours, 70 mm d'averses ont été enregistrées selon les services météo et qui sont bénéfiques pour les céréales mais également l'arboriculture. Éclairage avec Benus Fawaz, chef de service des inspections phytosanitaires à la DSA de Indef. Cette semaine, on a enregistré plus de 70, ce qui veut dire qu'on a comblé le déficit de pluviométrie qui a été enregistré durant le mois de janvier. En ce qui concerne les autres cultures telles que l'arboriculture fruitière,
et maraîchères ont aussi bénéficié de ces dernières pluies, ce qui était très bénéfique et économique pour les agriculteurs concernant la main-d'œuvre d'irrigation et les frais en plus. Et oui, les pluies sont bénéfiques pour l'agriculture, mais pas que, puisqu'elles sont d'un grand apport pour le remplissage des barrages. Le plus important barrage alimentant pas moins de 17 communes, Sidi Mohamed Ben Taïba, dont le taux de remplissage ne dépassait pas les 40%, aujourd'hui est à 55%. Aïn Deflar, Imar Rahmani, Al Jazeera 3. Et si les cumuls peuvent redonner de l'espoir aux agriculteurs, le risque d'inondation n'est pas à laisser de côté à Rerdaya. Une simulation de la prise en charge des victimes d'un éventuel sinistre de ce genre a eu lieu, selon Mahfoud Kalkar. Les autorités publiques veulent tester le niveau de préparation de différents services lors d'une inondation. Le commandant de la protection civile, Dr Benyami. Le but de la simulation, c'est pour mettre en cause nos efforts. Est-ce qu'on est prêt ou non pour une, on ne sait jamais, une autre catastrophe qui survient dans le temps avec la pluviométrie qui est un petit peu dans les environs. Et en plus, le climat, il est toujours perturbé. L'essentiel de la question, comment collaborer avec tous les secteurs ensemble pour soulever la catastrophe. Des soins pour les victimes. Prodiguer les premiers soins et on se prépare pour l'évacuation. On a une évacuation notamment avec un hélicoptère de la gendarmerie. Il va être évacué à l'hôpital le plus proche et les autres victimes seront évacuées par les ambulances, protection civile et santé. Pour laisser les structures de soins, chacune sa spécialité. On a placé un poste médical avancé où les victimes sont différentes avec les atteintes. On est une équipe multidisciplinaire. On a des médecins de la protection civile, des médecins militaires et de la santé publique. On est en train de collaborer ensemble. Prison charge des inondés. D'autres postes pour recevoir la population avec leur recasement et tous leurs problèmes. Il y a des gens qui ont perdu leur voiture, il y a des gens qui ont perdu leur maison. Donc, préparer un centre de recasement composé par des tentes, la protection civile avec la collaboration de Croissant Rouge et toutes les associations pour habiliter les gens parce qu'il y a le froid, les couvertures et toute la nourriture nécessaire. La simulation a été considérée une occasion pour former le staff médical afin de mieux intervenir. De Rdeh Mahfoud Kerker pour Alger. Comme toujours à l'approche du mois sacré, un bel élan de solidarité est exprimé envers les plus démunis. À Saïda, des bienfaiteurs contribuent à ces actions de solidarité qui se déroulent notamment sous la coupe de la direction de l'action sociale. Zakaria Ben nous en dit davantage. À quelques jours du mois sacré de Ramadan, la direction de l'action sociale œuvre pour une meilleure prise en charge des nécessiteux. Le directeur de l'action sociale de la wilaya de Saïda, Obid Mohamed, nous en parle. Pour le mois de Ramadan de 2024, les APC ont inscrit sur la plateforme du ministère de l'Intérieur 34 271 familles proposées à bénéficier de l'aide financière de Ramadan. Pour le montant par le ministère de Solidarité Nationale, c'est 30 millions de dinars. Le montant global, c'est 340 millions de dinars entre le ministère de l'Intérieur, l'administration locale, la wilaya et les APC, plus la participation du ministère de Solidarité. On prévoit l'ouverture de 21 restaurants au niveau de tout le territoire de la wilaya de Saïda. La commission de wilaya a commencé le travail de constat de ces restaurants-là. La commission elle est composée de la direction de l'action sociale, le commerce, la santé et la protection civile. Il est à noter aussi que d'autres associations de la société civile ainsi que des anonymes mènent un élan de solidarité exemplaire en faveur des familles démunies. De Saïda, Zakaria Ben pour la chaîne 3. Autre action de solidarité, cette fois pour le don de sang, aux habitants des zones reculées de la wilaya de Djidjel, l'initiative de l'Algérienne des eaux, Abdelhamid Zoued. Une opération qui a eu pour cadre la station de pompage de Kissir à l'ouest de Djidjel. Un clino mobile a été mis à disposition par la direction de la santé pour cette opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Une action citoyenne au profit de ceux qui ont besoin de sang. Mazoued Dallal, chargé de communication à l'Algérienne des eaux à Djidjel. L'Algérienne des eaux n'est pas uniquement une entreprise qui se charge de la production d'eau, n'est pas uniquement une entreprise qui se charge du transport, de l'emmagasinement, du traitement et la distribution d'eau. C'est aussi une action sociale de solidarité envers nos malades qui sont dans le besoin. C'est dans ce contexte qu'on a pris cette initiative envers nos malades. On passe un message de solidarité, d'entraide envers nos malades qui sont dans le besoin de sang. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al Jazeera 3.
Je vous le disais en titre, l'état civil désormais numérisé à Tizi Ouzou. Les mairies se rapprochent des citoyens. Pas moins de 14 antennes ont été implantées à travers les villages et grands quartiers de la ville déjeuner. Plus de détails avec Mohamed Haouchin. Désormais, c'est fini les grandes cohues et les chaînes interminables au service d'état civil de Tizi Ouzou, car l'APC a progressivement ouvert ces dernières années 13 annexes municipales aux quatre coins de la ville déjeuner et dans les gros villages de la commune qui viennent donc s'ajouter au siège maire de la commune pour permettre aux citoyens de Tizi Ouzou, mais aussi d'autres wilayas du pays, de se faire délivrer aisément et rapidement des pièces d'état civil grâce à l'informatisation du fichier local, désormais bien connecté au fichier national, comme nous le confirme le président d'APC de Tizi Ouzou, Hassan Ghana. La commune de Tizi Ouzou dispose actuellement de pas moins de 13 antennes de mairie. En tout et pour tout, nous avons exactement 14 antennes de mairie à travers notre territoire. Il faut savoir aussi que ces antennes de mairie prennent en charge toutes les doléances des citoyens, y compris les documents d'état civil, bien sûr, la légalisation, et nous avons une nouveauté, les actes de vente, collaboration avec les services de l'Algérie Télécom, on a pu brancher toutes ces antennes de mairie via la fibre optique. C'est ce qui nous a permis d'installer notre réseau d'état civil, un réseau local au réseau national. Donc quelqu'un qui va venir d'une autre wilaya, il peut se faire établir un acte de naissance facilement. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour GCN 3. Et avant de passer au sport, un mot, plutôt un hommage au défunt écrivain et journaliste Belkacem Rouach. Il est décédé il y a deux jours à l'âge de 73 ans. Belkacem Rouach s'est illustré par ses créations dans de nombreux domaines de la culture, notamment avec la publication de plusieurs recueils de poésie, sans oublier ses écrits dans plusieurs journaux et ses différents passages à la radio. Cet hommage est signé Mohamed Araissani. Le monde culturel et artistique en deuil. Belkacem Rouach, éminent écrivain, journaliste et scénariste et critique d'art, est décédé, laissant un grand vide dans le monde culturel et artistique. Né en 1954 à Dallas et ayant vécu une grande partie de sa vie à Skikda, Rouach était particulièrement reconnu pour ses contributions variées et ses œuvres marquantes. Ses écrits comprenaient des anthologies poétiques, des livres et des romans tels que L'assurance non assurée, quand la pierre a soif, elle va à la mer, tant que le soleil se lève et la marée de la mer, parmi d'autres. Il a également contribué au cinéma et à la télévision avec des scénarios pour le film La Dernière Balle et des séries comme Célébrité et La Folie de l'Amour. Tout au long de sa carrière, Rouach était honoré à plusieurs prix, reconnaissant son talent et son apport au monde culturel. Sa disparition est une perte majeure pour la culture et les arts, mais son héritage continuera d'inspirer les futures générations de Skikda. Mohamed Araissani pour la chaîne 3. Et enfin en sport football, pour préparer la phase finale de la CAN féminine 2024, les Algériennes affrontent en ce moment leurs homologues du Burkina Faso. Pour en parler avec nous, Hamza Rahmouni. Bonsoir Hamza. Bonsoir Sabine. Effectivement, c'est une deuxième rencontre amicale entre les deux formations. Une première rencontre s'était tenue samedi au CTN de Sidi Moussa et les Algériennes s'étaient imposées 2-0. Aujourd'hui, l'équipe d'Algérie affronte le Burkina Faso et sur place, on a Lotfi Benidir pour avoir plus de détails. Lotfi Benidir, bonsoir. Bonsoir Hamza, bonsoir Sabine. On joue la deuxième période, plus précisément la 52e minute de jeu. L'Algérie mène par 1-0. But inscrit en première période par l'arrière droite de la sélection nationale, Nouhed Neili, après une première frappe, on le rappelle, de Boussaha, la joueuse, la pensionnaire du club Nasr Saoudien. Et puis il y a eu cette déviation de Neili à la, je le disais, à la 12e minute de jeu. Je rappelle qu'il y a eu une première confrontation déjà, c'était samedi dernier, soldée par une victoire 2-0 Centre Technique National de Sidi Moussa. Ce match, bien évidemment, rentre dans le cadre de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de juin prochain au Maroc. Merci Lotfi Benidir. Je rappelle que cette rencontre se déroule au stade Nelson Mandela de Baraki. Merci Hamza, merci Lotfi. C'est à 17h19 que se termine ce journal des régions réalisé par Ali Laouissi. Merci à tous de nous avoir prêté attention.